pour l'adorer lui seul. Et ce matin, nous voulons simplement soupirer après lui, gémir après lui. Lorsqu'il est au milieu de nous, lorsque le Saint-Esprit est là, et je sais qu'il est là, je crois qu'il est là, il y a transfert entre ciel et terre. Amen. La Bible dit encore que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu des clameurs de son peuple. Dieu siège. Lorsqu'il siège, ça veut simplement dire que son trône est là, au milieu de nous, qu'il est présent, qu'il est là. Ses acclamations sont des acclamations. Elles sont pour lui. Elles sont pour lui. Elles ne sont pas pour nous. Réalisons ce matin que Dieu est là. Il a commencé avec nous au premier culte. Lorsque nous sommes entrés dans la salle, il était là. Son trône est là. Il siège, il est là. La Bible dit qu'il siège. Il s'établit comme juste juge au milieu de la louange de son peuple. Quelle que soit ta situation, Dieu dit qu'il siège. Ton acclamation détermine la valeur, détermine la présence que tu lui accordes. Ton acclamation détermine. Comment veux-tu que Dieu puisse siéger en ces lieux? Il m'a donné une voix, c'est pour le louer. Il m'a donné des mains, c'est pour l'acclamer. Il m'a donné des pieds, c'est pour être reconnaissant. Qu'il vit. Hey! Je ne laisserai pas la création l'adorer, l'acclamer à ma place. Je ne laisserai pas la nature l'adorer à ma place. La Bible dit que la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Y a-t-il des fils de Dieu en ce lieu? Y a-t-il des fils de Dieu en ce lieu? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que la création attend. La création a soif. La création attend, appelle les fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. La Bible dit encore, dans Jean 4, verset 23-24, que Dieu cherche un adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Je réponds présent, je veux t'adorer. Silélélé, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal,
présence. Nous débordons de joie dans ta présence. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour toi ces acclamations, rien que pour toi, parce que tu sièges au milieu de nous. Nous avons conscience que tu es là. Nous avons conscience que tu es là. Alors accorde-nous la grâce de réaliser ta présence parfaite au milieu de nous. Ta présence qui restaure, ta présence qui bénit, ta présence qui guérit, ta présence qui redonne la vie, ta présence qui restaure. Après toi, en moi, toi seul, de mon cœur, y a-t-il un adorateur qui veut lui dire que mon âme soupire, veut s'en monter après toi, en moi, oui, te cherche, toi seul. Tu es, 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 t
Je vis pour t'adorer. Tu es mon assurance et je suis plein de confiance en ta présence. Tu es mon assurance et je ne craindrai rien. Tu es mon assurance et je ne crains rien. Confiance. Dieu est mon assurance et je ne crains rien. Dieu est mon assurance. Dieu est mon assurance. Je suis confiance. Dieu est mon assurance. Et je ne crains. Pouvons-nous le dire encore une fois que Dieu est mon assurance? Dieu est mon assurance. Je suis plein. Je ne crains. Alors je vis l'éternel.
Et nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, te magnifier, t'exalter, t'honorer. Tu es Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Il n'y a personne d'autre que toi que nous désirons.
Dieu, nul ne peut t'égaler. Oh, tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de l'expression de notre gratitude ce matin. Tu es digne de notre offrande de louange, Seigneur. Nous faisons monter nos louanges vers toi, le Saint des Saints, le véritable Dieu, l'inégalable, l'incomparable grand Dieu. C'est toi, nous le reconnaissons ce matin et nous t'honorons ce matin. Gloire et louange te soient rendues dans le précieux nom de Jésus. Amen.